Nous sommes allés parcourir notre ville Lieusaint pour une opération de nettoyage de la nature. Les centres Leclerc nous ont fourni gants, sacs poubelles et chasubles. Nous nous sommes rendus compte que les Lieusaintais ont tendance à dégrader les rues de la ville. Ils laissent traîner leurs déchets dans les buissons, le long des routes, sur les pelouses. Nous avons parfois ressenti du dégoût, mais aussi nous nous sommes rendus compte que nous étions utiles, c'est comme avoir sauvé la ville. C'est une exposition de photos à Lieusaint prise par des habitants de la ville. Tout le groupe a été très touché par ces belles photos, un regard sur la ville autrement. Nous avons fait l'activité à un des lacs de Lieusaint. Nous l'avons fait avec un demi-groupe, les Ulysses, Madame VGC, Monsieur Béjean. On a appris que les canards grandissaient avec leurs parents. On a appris que la végétation était belle et qu'elle poussait tout seule. On a aussi appris à prendre des belles photos. On a appris à prendre des photos, on a appris à bien se comporter et on a aussi appris à aimer la nature. Notre ressenti meilleur air, on a ressenti de la joie, on était contents que nous avons partagé cela avec des amis et d'autres élèves. C'était bien, c'était agréable. Une scientifique est venue au collège pour nous expliquer ce qu'était la biodiversité et comment la préserver. Nous avons appris qu'il n'y avait pas de mauvaises herbes, mais que toutes les plantes ont un intérêt, ainsi que l'urbanisation et l'agriculture intensive menaçaient la biodiversité. Ce fut très intéressant et nous avons hâte de mener notre projet de sauvegarde de la biodiversité dans notre collège. À partir d'un ensemble du document sur la biodiversité, nous avons appris à trouver et à comprendre des informations et à calculer des pourcentages. Ce cours nous changeait de nos modes d'apprentissage habituels. Au lieu de faire des exercices et des leçons, nous avons regardé des vidéos et des documents. Le travail en groupe était intéressant et motivant. Nous avons vu une vidéo sur la biodiversité. Elle nous a déçus. Nous avons pris conscience de l'ampleur des dégâts causés par les hommes sur la planète. En janvier au collège, nous avons fait des mangeoires. En premier, des élèves du LIS et du P2A ont tracé sur des planches des morceaux. Un autre, les élèves ont découpé. Ensuite, en salle informatique, avec M. Béjean et Mme Délissé et l'agent M. Lapointe, nous avons utilisé des marteaux, des clous, une perceuse pour construire des mangeoires pour que les oiseaux puissent manger. Nous avons utilisé ces mangeoires pour étudier les habitudes des oiseaux en utilisant l'application BirdLab. Nous avons donc aussi appris à reconnaître ces oiseaux.